Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les gens, petite vidéo au Japon, ça faisait longtemps. On va se pencher une nouvelle fois sur l'univers des gachapons, parce que là où je fais mes petites courses, ils ont fait tout un coin, mais monstrueux, vraiment, avec énormément de machines gacha. Je vais vous présenter tout ça rapidement. D'après ce que m'a dit madame, eh bien, il y a des gachapons complètement niqués. What the fuck? Vous le savez, dans cet univers-là, on retrouve des petites figurines totalement décalées. Bref, les amis, je n'ai rien d'autre à ajouter. Mis à part que tu es chaud, je suis chaud, et on y va! On commence, les amis, ici avec des tortues portant des maisons et des toboggans. C'est what the fuck? Du astro. Des sacs, des mini sacs avec des maillots, bon bref, des petits délires, des personnages à poils avec des parapluies de couleurs sur la tête. Qui a pensé ça dans un bureau et s'est dit on va faire des gachapons, ça va cartonner. c'est génial, l'univers des gachapons est totalement what the fuck. Donc des petits lapins, on va essayer de regarder ce qu'il y a un peu de niqué, on a quoi, des petits crocodiles. Bon, là on est dans l'univers du gnangnang. Rien de fou, rien de spécial. Des petits poussins, des petits porte-clés à droite à gauche. Voyons voir de l'autre côté. Alors ici ils nous foutent une sorte de boule un peu spéciale, hein, on a l'habitude de ça en France, on en a de ça. Et en fait tu peux dessiner ta propre planète, pourquoi pas. Des petits gachapons mignons, heureusement il y en a. J'adore ce petit poussin, qui n'est pas vraiment un poussin, en fait c'est un œuf. C'est un truc de niqué. Oui, c'est un petit œuf en fait, regardez. Ils en ont fait un personnage, le jaune d'œuf est un personnage. Ici nous avons des petits caca, voilà, des petits caca colorés, brillants, à paillettes, qu'on peut écraser tout simplement avec du PQ, voilà, pour en faire la promotion. Des petits brassards, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Des cônes cassées? Bon, bref, je veux pas savoir. Des petites grenouilles, des petits chiens, des petits chats, des tomates, donc des fruits et légumes, du Pokémon, on a encore des petits scooters, Olaf, de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'on a là? Du Conan, Kamen Rider, du Marvel, donc petit personnage Marvel plutôt mignon, des petits personnages mignons aussi, Kamen Rider, très classe, du Ultraman, donc du grand classique, hein, tout ce qui est super-héros japonais, du Harry Potter, donc des sortes de mini pochettes à l'effigie d'Harry Potter, pourquoi pas, George le singe, ça on connaît, Hello Kitty, Hatsune Miku. Il y a quoi en what the fuck là? Une sorte de chat, guépard, léopard, un peu space. Des mini lunettes, pourquoi pas? On peut décorer nos persos. Ouh, du Naruto. Porte-clés de Naruto. Des petits personnages. Encore des petits personnages. Ampaman. Putain, deux fois Harry Potter. Ici, l'univers un peu de l'Egypte. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des choses, je suis totalement à la ramasse. Hein. Il y a des trucs que je connais absolument pas. Des cassettes. Ok. Tape, c'est tout minuscule. Putain, ça se branche en USB. Putain, c'est rigolo ça. C'est rigolo, je trouve. Ça coûte combien? 200 yens, c'est pas très cher, des petits scooters. pour ranger vos câbles d'iPhone, c'est sympa. L'univers de Marvel, encore une fois, avec des mini personnages, c'est mignon, c'est sympathique. De ce côté-là, une sorte de balance avec une horloge. Escalade. Marty Japan, bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial. Là, ça, c'est du doublon. C'est bizarre, il faut du doublon, quoi. Allez, de ce côté-là, les poteaux. Des petits renards, des petits chats, des petits renards assis. Du One Piece, grosse tête, petit corps. Des grenouilles assis. Encore du Marvel, du One Piece. Bon, et du Gundam. Des petits mechas, du Pikachu. Des mechas. Les mechas, c'est normal, ça cartonne. Encore du One Piece. Des petits miroirs, du Dragon Ball, putain, des The Best UG, on en voit de moins en moins. J'ai l'impression que la série est morte, putain, et j'adore cette gamme-là. Mais c'est cool d'en voir. De ce côté-là, des petits lapins, du Kirby. Après, ici, on a des petits coffrets. Peinture connue, mais avec des singes, des chats, des hamsters, bon, bref, pourquoi pas. Du Conan, en porte-clés, très sympathique, je trouve, dans l'ensemble. Encore du Conan, on est au coin Conan. Conan à tout va, Conan partout, c'est
plutôt sympathique. Des petits lapins également. De ce côté-là, des petits chats, des petits personnages féminins, une sorte de méca robot squelette un peu space, du Kamen Rider à fond. Du Kamen Rider, là on a un autre coin de Kamen Rider, mais c'est la blague. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai loupé un truc. J'ai dû en parler une fois dans une vidéo, mais on dirait des mini Lego. Regardez les mains, on dirait des mini Lego Dragon Ball. 300 yens! Oh putain, les chiens quoi, c'est cher. Je trouve ça hyper cher. 200 yens, j'aurais fait, allez vas-y, mais 300? C'est un peu chéro pour un petit truc de merde. Des petites peluches d'oiseaux. Dobutsu no Mori, c'est quoi déjà en français? Putain, Animal Crossing. Des petits goodies à la con. Des petits chats en train de s'amuser dans la neige. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des éponges. Des petits oiseaux. Des montres, des mini sacs à dos scolaires. Ça, c'est sympathique. Si vous voulez mettre en scène vos personnages, vous avez des tables de classe, des trucs comme ça. Ça, je trouve ça plutôt cool. De ce côté-là, du Kamen Rider, des planètes, Olaf, un set de cuisine squelette un peu space. Des araignées, des pandas, rien de fou. Putain, Dragon Ball, y a rien. Oh, des saxophones, des trucs comme ça. C'est cool. C'est cool, ça, c'est sympathique, c'est mignon. Les taiko aussi, les instruments japonais. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup. Encore des sacs à dos un peu space. Mais ça me nique le cerveau, ça. Les boîtes de nourriture pour chat, mais t'en fais des bagues. Ça, c'est un truc de niqué quand même. C'est what the fuck. Des mini-livres, des petits chats, des onigiri. Alors, onigiri, à l'intérieur, vous avez une bague avec, un accompagnement qui est un œuf ou un tempura, une connerie. Mais c'est what the fuck total, le mec a pensé à ça, quoi. La boîte onigiri bague, c'est génial. Le petit scooter, le Doraemon, le Kamen Rider, le petit Pikachu. Ça, c'est trop mignon, ça, que tu mets sur ton câble. Autre coin totalement décalé, hein, des sortes de petites lanternes. C'est délire, en plus ça fonctionne. Vous voulez mettre sur votre sac à dos, c'est mignon, franchement j'aime bien. Bon, des petits ustensiles à la con, des petits... C'est quoi, c'est un œuf? C'est space, des petits dinosaures, des petits monstres qu'on peut accrocher avec une sorte de pince. Encore des onigiri de l'espace, de la bouffe en mode, comme on dit en français, mou, hein, super mou. Ça c'est génial ça, des pochettes de train. Direction Akihabara. Non, vous arrivez à Akihabara. Direction Kanda. C'est génial. De ce côté-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Des porte-clés pantoufles. Tu veux des tatanes dans la gueule? Des mini-tatanes. Mais what the fuck? Ce monde est complètement niqué. Hein, ce monde du gâchapon, c'est complètement niqué. Des climatiseurs. Bon, bref. Des masques de Jason, classe. Des outils en porte-clés, hein. Tu veux un marteau, mini-marteau à mettre avec tes clés? Bah tu peux. Des petits lapins, les scooters encore une fois. Ouh, du Dragon Ball. Dragon Ball, il n'y a rien qui me chauffe. Il y a le Trunks God. Il y a nos copains Goku Vegeta, l'attaque ensemble. Mais j'ai même pas envie d'essayer. Bon, du Marvel de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va aller voir ce qu'il y a. Ah, on l'a en jeu ça, hein. Pour les dents, t'appuies, boum, ça te bouffe le doigt. Tu peux jouer avec tes potes. Des porte-clés de pain de mie, si tu veux. Une marque très connue et c'est super bon en plus. Des petits jouets sympathiques, Georges le singe, des emojis, des porte-clés emojis, pourquoi pas. Des petits hamsters. Oden, donc une soupe à la japonaise. Il y a différentes versions avec la petite louche qui va bien. Des porte-clés, porte-clés Pokémon, des fruits mangés par un lapin. C'est génial. Des ustensiles de la maison, hein, multiprise en mini 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 tout petit. Mais c'est rigolo ça, si tu veux faire des mises en scène, c'est classe. Du Toy Story, et puis on a fait le tour. Bon les amis, home sweet home, comme on dit, après je me posais tranquillement. Bref, vous l'avez vu dans cette vidéo, les gâchapons, l'univers des gâchapons, c'est totalement niqué, hein, n'ayons pas peur des mots. Je vous avais fait des petites vidéos avant ça, là on a une vidéo un peu plus grosse, un peu plus conséquente. Concernant Yokohama, puisqu'il faut savoir qu'à Yokohama, il y a une boutique où il y a des centaines et des centaines et des centaines de machines. Eh bien, il me faut le temps. Il me faut le temps. Et dès que j'ai un creux, promis, j'irai à Yokohama. Je vous ferai un reportage là-bas. Par contre, ça va durer 1000 ans, à mon avis, parce que c'est encore une fois des centaines de machines. Je crois que la vidéo, elle va durer facile 20 minutes, 30 minutes.
J'ai peur. Oui, moi, ça va me prendre toute une après-midi. Bref, j'espère que ces quelques minutes en ma compagnie vous a plu. Dites-moi dans les coms quels sont les genres de petites figurines gachapon que vous aimez bien, de ce que vous en avez vu là. Moi, encore une fois, je kiffe les sortes de bagues faites avec les boîtes de chat, les boîtes de bouffe pour les chats. C'est what the fuck. Rien d'autre à ajouter. Mis à part que, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!